Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les héros de la classe S de la série One Punch Man. S est la classe la plus forte et la plus prestigieuse de l'association des héros. Chaque héros de la classe S équivaut à une division d'armée d'urgence. Cette classe a été créée à l'origine pour assembler des individus qui, malgré leur baron, étaient capables de vaincre seuls des êtres mystérieux démoniaques de niveau catastrophe. Le héros de classe S, actuellement le mieux classé, est Blast. Il y a actuellement 17 héros dans cette classe, ce qui est le plus petit nombre de membres parmi toutes les classes. Rang 17, Puri-Puri Prisonneur. Puri-Puri Prisonneur est le héros professionnel de classe S de rang 17 de l'association des héros. Il est le chef des prisonniers détenus dans la prison de Smelly Lid. Puri-Puri Prisonneur est un super-héros flamboyant et ouvertement homosexuel. Il s'intéresse à d'autres beaux héros et criminels masculins. En dehors de son homosexualité, il a un sens de la justice. Rang 16. Tank Top Master. Tank Top Master est le héros professionnel de classe S de rang 16 de l'association des héros. Il est le chef de l'armée des Tank Toppers. Tank Top Master a une nature chevaleresque. C'est un homme très attentionné, sage avec honneur et fierté, et a une grande affinité pour ses frères et autres héros. Rang 15. Metal Bat. Bad, mieux connu sous son alias de héros Metal Bat, est le héros professionnel de classe S rang 15 de l'association des héros. Metal Bat a une grande confiance en lui-même, déclarant qu'il ne se soucie pas de savoir si une menace est un niveau démon ou dragon. Il semble aussi être impétueux et imprudent. Malgré son attitude impétueuse, il a toujours un côté tendre en lui quand il s'agit de sa sœur, Zenko, qu'il traite très bien. Rang 14, Genos. Genos est le deutéragoniste de One Punch Man. C'est un cyborg de 19 ans et le disciple de Saitama. Il cherche toujours à devenir plus puissant et il se bat pour la justice. Sous l'association des héros, il reçoit le nom de Demon Cyborg et occupe actuellement le rang de classe S14. Genos est un personnage extrêmement sérieux qui fait rarement des blagues. Il s'efforce constamment de devenir plus fort et se tourne fréquemment vers Saitama pour obtenir des conseils pour atteindre ses objectifs. Depuis qu'il est devenu le disciple de Saitama, Genos est très respectueux et protecteur envers de Saitama. Il l'appelle même maître. Genos est une personne intense, inflexible dans ses activités. Avant de rencontrer Saitama, il était encore plus intense, mais Saitama a exercé une influence modératrice sur Genos, l'aidant à être plus calme et à adopter une approche plus mesurée dans sa quête de justice et de pouvoir. Genos réalise à quel point il a changé quand il voit Sweet Mask éliminer un groupe de prisonniers extraterrestres sans pitié. Genos est lentement devenu moins sérieux et devient un peu plus curieux de connaître certaines choses telles que la signification du plaisir. Genos respecte pleinement deux personnes, Saitama et le docteur Kuseno, l'homme qui l'a sauvé. Il étend le respect professionnel à ceux qui font preuve d'une véritable expertise, comme Bang et Bomb. Rang 13. Flashy Flash. Flashy Flash est le héros professionnel de classe S de rang 13 de l'association des héros. Il est un ancien membre de la 44e promotion du village ninja, surnommé The End. Flashy Flash est un homme calme et sérieux, commençant immédiatement le sujet de discussion lors de la réunion et arrêtant une dispute entre Tatsumaki et Metal Bat. Il semble également être assez arrogant. Il est également très confiant dans ses capacités. Rang 12. Watch Dogman. Watch Dogman est le héros professionnel de classe S de rang 12 de l'association des héros. Il est en charge de la ville Q. Watch Dogman s'est avéré très direct et nonchalant. Il a également l'habitude de porter son costume tout le temps, même de le garder quand il se baigne. Ses manières à table sont également mauvaises car il mange comme un chien et n'a jamais été vu manger à l'aide d'une fourchette ou d'une cuillère. Il agit comme un chien en tout temps. Il parle avec parcimonie, il s'assoit sur ses hanches en alerte ou en train de flâner, il se pelotonne dans un lit pour chien pendant son sommeil, il prend position à quatre pattes tout en combattant plutôt que de se tenir debout pour affronter ses ennemis. Rang 11. Super Alloy Darkshine. Super Alloy Darkshine est le héros professionnel de classe S de rang 11 de l'association des héros. Contrairement à son apparence extérieure imposante, Super Alloy Darkshine est un individu pondéré qui n'aime pas les conflits. Lors des réunions de héros de classe S, où de nombreux individus égoïstes se rencontrent, Darkshine essaie souvent d'assumer le rôle de médiateur.
Super Alloy, Darkshine est une personne plutôt vaniteuse, car lorsqu'il était assis à une réunion avec d'autres héros de la classe S, il se demandait si les yeux de tout le monde étaient collés à son corps et s'il était ou non la personne la plus brillante de la pièce. Rang 10. Pig God. Pig God est le héros professionnel de classe S de rang 10 de l'association des héros. Pig God est un glouton qui mange constamment de la nourriture et est également très direct ou simplement paresseux. Cependant, c'est une personne très attentionnée. Il a fait tout son possible pour se précipiter à l'aide de Child Emperor, même s'il n'aime pas courir. Il a été choqué d'apprendre la disparition de Drave Knight et a déclaré qu'il espérait vivement que Drave Knight allait bien. Pig God semble également être très humble, car cela ne le dérange généralement pas d'aider les autres. Rang 9. Drave Knight. Drave Knight est le héros professionnel de classe S de rang 9 de l'association des héros. Drive Knight est un combattant incroyablement tactique et calculé. Il est très concentré sur la collecte d'informations et ne sous-estime pas ses adversaires, même s'ils sont en dessous de son niveau de puissance. Il ne veut pas laisser vivre un ennemi qui a vu ses capacités, éventuellement pour éviter de laisser ses adversaires apprendre et donc exploiter ses faiblesses. Il est également assez impitoyable envers les monstres, prêt à utiliser tous les moyens, y compris la torture, pour obtenir les informations qu'il désire. Rang 8. Zombieman. Zombieman est le héros professionnel de classe S de rang 8 de l'association des héros. Il est un produit de la maison de l'évolution. Zombieman semble être dérangé par les particularités de la réunion de l'association des héros, notant que les héros ne semblent pas très coopératifs et cachant son ennui face à la consommation continue de Pig God. Il est exceptionnellement sensible à la mort d'un humain. Zombieman est déclaré nihiliste, peut-être en raison du fait qu'il est mort plusieurs fois. Il est donc toujours calme. Rang 7. King. King est le héros professionnel de classe S de rang 7 de l'association des héros. En public, King est connu comme l'homme le plus fort du monde et le héros des héros. En vérité, il est juste un civil normal qui a involontairement obtenu le crédit pour les actes héroïques accomplis par Saitama. King est également l'une des rares personnes conscientes de l'étendue réelle du pouvoir de Saitama et fait partie du groupe Saitama. Dans une situation menaçante, King semble calme et efficace et affiche une aura intimidante. Malgré la personnalité intimidante qu'il projette, King est généralement un lâche. Il est très respecté par le public et les autres héros, même ceux de l'échelon supérieur de l'association des héros. King a également un côté attentionné, soucieux du bien-être de Saitama et offrant des conseils éclairés ainsi que l'invitation à jouer à des jeux vidéo. King promet même de jouer avec seulement deux doigts pour se handicaper contre Saitama qui n'est pas très fort aux jeux vidéo. King semble également s'intéresser aux jeux d'amour. Rang 6. Metal Knight. Le docteur Beaufoy, également connu sous son alias de héros Metal Knight, est le héros de classe S de rang 6 de l'association des héros. Il offre de nombreux services à l'association des héros, tels que le parrainage d'armes et la construction d'installations. Il semble avoir un intérêt passionné pour toute forme de haute technologie. En dépit d'être un héros, il a peu de compassion pour les autres si cela ne lui profite pas. Même lorsqu'un météore est sur le point de frapper la ville Z, son seul souci est la fiabilité de ses nouveaux missiles. En raison de l'avertissement de Drive Knight à Genos, tout ce qui concerne Beaufoy reste un mystère. Rang 5. Child Emperor. Child Emperor est le héros professionnel de classe S de rang 5 de l'association des héros et son plus jeune héros. Il a son propre laboratoire dans la ville Y. Malgré son jeune âge, Child Emperor est un génie. Il a un esprit très analytique et est capable d'observer des situations et de formuler des plans de manière calme et recueillie. Cependant, il n'aime pas être traité d'enfant et devient facilement ennuyé et furieux. Il est l'un des héros de classe S le plus calme, avec la plus haute compétence de réflexion stratégique. Child Emperor a également un côté bienveillant. Il donne la priorité à la création d'un antidote pour ses compagnons héros qui ont été blessés, au lieu de vaincre la menace du niveau démon. Rang 14. Atomic Samurai. Kamikaze, mieux connu sous son alias de héros Atomic Samurai, est le héros professionnel de classe S, rang 4 de l'association des héros, et est reconnu comme l'un des héros les plus puissants. Il est maître d'épée et membre du conseil des maîtres d'épée. Atomic Samurai a une personnalité plutôt orgueilleuse et joyeuse. Il semble également être assez sensible au fait d'être appelé d'âge moyen. Kamikaze veille sur ses disciples et les pousse à faire de leur mieux. Rang 3. Silver Fang.
Bang, également connu sous son alias de héros Silver Fang, est un héros professionnel, un maître des arts martiaux et le créateur et professeur de Water Stream Rock Smashing Fist. Il est le troisième héros de classe S, le mieux classé de l'association des héros, et est reconnu comme l'un de ses héros les plus puissants. Il est actuellement installé dans la ville Z. Bang et son frère, Bomb, sont les deux plus grands maîtres du monde des arts martiaux. Il essaie actuellement de recruter de nouveaux disciples dans son dojo. Ses principales cibles sont Saitama et Genos. Bang est également l'un des rares à reconnaître la force de Saitama et fait partie du groupe Saitama. Bang a une personnalité sérieuse, son comportement est normalement calme, montré quand il est apparemment imperturbable par le météore de niveau dragon tombant sur la ville Z. Contrairement à la plupart des autres héros, Bang préfère être appelé par son nom plutôt que par son alias de héros Silver Fang. Bang est également bien ancré dans l'éthique de l'héroïsme. Il accuse les autres héros de la classe S d'être sans cœur pour avoir ignoré la catastrophe de la ville Z et de s'occuper de leurs propres problèmes à la place. Son inflexibilité à protéger les citoyens et les civils peut être considérée comme une importance stratégique dans le monde des héros. Il a un sens de la noblesse et de l'intégrité morale, gagnant ainsi le respect des autres héros. Bang se soucie profondément de son ancien disciple, Garou. Il craint pour le sort de Garou de devenir un monstre. Rang 2. Tatsumaki. Tatsumaki, également connu sous son alias de héros Tornado of Terror, est le héros professionnel de classe S de rang 2 de l'association des héros. Elle est reconnue comme l'un des héros les plus puissants de l'association des héros. Elle est une espère, la sœur aînée et enseignante autoproclamée de Fubuki. Elle et sa sœur sont connues sous le nom de Psychic Sisters. Tatsumaki a une personnalité plutôt impétueuse, maussade et impatiente. Malgré sa personnalité arrogante, elle se sent obligée de vaincre les monstres et considère son travail de héros comme un devoir. Tatsumaki est extrêmement confiante dans sa force. Rang 1. Blast. Blast est le héros professionnel de classe S de rang 1 de l'association des héros. Sans la connaissance de la force de Saitama, il est largement suggéré d'être le héros le plus puissant de l'association des héros. Blast ne divulgue pas ses informations personnelles dans le catalogue de l'association des héros. Pourtant, semblable à Saitama, il considère son travail de héros comme un simple passe-temps. Il semble également avoir des tendances indépendantes, gardant son emplacement et son statut inconnu. Dans le présent, Blast a une attitude décontractée. On ne sait pas grand-chose de lui. Rang 1. Blast. Blast est le héros professionnel de classe S de rang 1 de l'association des héros. Sans la connaissance de la force de Saitama, il est largement suggéré d'être le héros le plus puissant de l'association des héros. Blast ne divulgue pas de ses informations personnelles dans le catalogue de l'association des héros. Pourtant, semblable à Saitama, il considère son travail de héros comme un simple passe-temps. Il semble également avoir des tendances indépendantes, gardant son emplacement et son statut inconnu. Dans le présent, Blast a une attitude décontractée. On ne sait pas grand-chose de lui.